j'étais petite, je venais dans ce parc pour jouer. Vous savez ce que font les bambous ici? Ils attendent patiemment que le vent les caresse. Ils accueillent toutes vos émotions. Écoutez-les chanter, ils s'adressent à votre âme. Ok. Sensions ont bien été mises au jeu. Nice. Ok, on est bon. J'espère qu'on entend le son du jeu. Je fais un dernier réglage et j'arrive. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Dark Naruto, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit live découverte qui s'appelle Returns of the Obra Dinn. Un jeu qui a l'air pixel art, mais c'est pas vraiment
pixel art. Vous allez vraiment voir, ce jeu a l'air vraiment intéressant. Pardon. Ce jeu a vraiment l'air intéressant. Ça a été créé par Luca Pop. Vous ne le voyez pas, mais c'est vraiment lui qui a créé ce jeu. Donc du coup, ce jeu je ne le connais pas. J'ai vu microscopiquement le début, mais ce qui est en termes la moitié et la fin du jeu, je le connais pas. Donc j'aimerais le découvrir avec vous. Et bien sur ce, on est parti. Et en plus la musique est vraiment magnifique. Hein. Là, la musique, il n'y a rien à dire, c'est vraiment magnifique. Allez, on est parti. Aucun sort dévoilé, ben, on va prendre le numéro 1. Perdu en mer 1803, le fier vaisseau O'Bradin. Construction 1796, Londres 800, 5 mètres de tirant d'eau, capitaine R. Whiterell, l'équipage 51 hommes, dernier voyage vers l'Orient, escale du Cap non atteinte. Contactez la compagnie des Indes orientales à Londres pour toute requête ou témoignage. Ok. L'honorable compagnie des Indes orientales, à l'attention de l'inspecteur en chef assurant ses réclamations, bureau de Londres. L'O'Bradin est de retour. Rendez-vous à Falmouth sur le champ et préparez une estimation complète. Ok. Company man woke me up. Said you'd need ferry to the O'Bradin. Not many eager for that job. Seems a bit late if you ask. I didn't. What's in the box? I don't know. I'll hoist it up in a few minutes. Hey! How? Carefully. Donc là, on est directement dans le gameplay en lui-même. Ok. Est-ce que je peux... Ouais, ok. Je peux bouger. Est-ce que je dois maintenir Z ou... Ah non, ok, il faut vraiment cliquer. Il faut vraiment faire clic gauche pour utiliser l'action. Il me montre pas la malle. Donc là, on est sur le fameux bateau qui s'appelle O'Bradin. Il y a quelque chose qui brille là-bas. Bizarre. Il y a déjà un décès. Bon, attendez, apparemment il m'a dit qu'il faut que... Oi! It's too heavy! Ouais. Ah. Non. It's too heavy. Take it yourself or open it here. Sur D.
Le retour de l'Obradine, un catalogue d'aventures et de tragédies en 1807. Préface. J'imagine que vous vous trouvez à bord de l'Obradine. Je m'attendais à ce que ce jour arrive, et mon intention était de consigner le récit de l'étrange aventure de ce navire dans les pages de ce livre. Malheureusement, ma santé défaillante ne m'a pas permis d'en relater plus que le rapide aperçu qui suit. Votre présence sur l'Obradine est de la plus haute importance. Je laisse entre vos mains la découverte de son sort ainsi que l'achèvement de ce livre. Les pages qui suivent vous sembleront déroutantes au premier abord, mais les moments venus, tout fera sens. Utilisez la montre à gousset afin de déterminer l'identité et le sort de chacun à bord. Achevez chaque chapitre le plus précisément possible et expédiez ce livre au bureau des affaires françaises du Maroc. Notez que les détails du chapitre « Marchandage » vous demeureront inconnus. J'ai pour l'heure fait le choix de me les réserver. Henry Evans. Ok. Donc là, on est plutôt au sommaire avec le voyage, le navire, l'équipage, la vue en mer, Closer et dernière page. Si c'est ça que j'ai bien compris. Les chapitres sont ici, la cargaison, un froid mordant, le meurtre, l'appel, captif MP, soldat de la mer, le désastre, marchandage, fuite et la fin. On va faire le voyage. Ah non. Vers l'extrême-orient, portion atlantique. Oh. L'Europe. Avec l'Italie. Madère. L'île. Oups. Car verte. J'essaye de voir s'il y a quelque chose qui... s'il y a quelque chose qui change ou pas. Et apparemment il y a rien. Ok. Vers l'extrême-orient. Le navire. Plan des ponts de l'Obradine. L'infirmière, l'équipage. Coursif tribord, c'est là où je suis apparemment. Atelier du charpentier, pont inférieur, soute du capitaine, cambus, soute des passagers, soute du bosseman. L'équipage, manifeste équipage et passagers, croquis de la vie à bord de l'Obradine, la cargaison, dans la cale. Ouais, je crois comprendre. Oula. Comment on quitte ça? Feuilletez tout d'abord le livre. Ah. D'accord. Il veut que je feuille tout le livre, mais pourquoi pas? Sur le pont inférieur, ok. Devant la fenêtre du premier lieutenant. Dans la cale, j'ai vu. Dans le passage bâbord. Dans la cale, encore. Merde. Sur le pont batterie avant. Sur le pont batterie. Dans les quartiers du capitaine. Ce chapitre demeurera un mystère pour vous jusqu'à ce que vous quittiez le navire et que vous me rendiez le livre. Ah, ok. Dans la cambus, fuite. Dans la cabine des aspirants. La fin. Dans les quartiers du capitaine. Dans les quartiers du capitaine, dans les quartiers du capitaine, dans les quartiers du capitaine. Closer, capitaine, second. Ok. Wow.
Ouvrir, fermer le livre, c'est tab, sommaire, c'est Q. Ok. Memento mortem. Peu m'importe. Donc là... Bah donc là on a pris tous les objets, on peut monter cette fois-ci. D'accord, je bouge là. Donc là, je viens de faire clic gauche pour remonter dans le temps et voir ce qui s'est passé. Donc là, apparemment, il y a eu une mutinerie. Je peux pas ouvrir. Le capitaine a tiré sur ses compagnons. Guerre passée. Ça a donné les infos. Par contre, j'ai fait le truc de la fin, ma foi. C'est inconnu. Inconnu, un sort indéterminé. Ah ouais, il va y avoir. Prendre bien plus que ce que j'ai crapu. Vous me prendrez. Qu'est-ce que je vous donnerai? L'emplacement du corps. Ouais. Trois autres personnes étaient présentes. L'indéterminé. Ah ouais, il faut que je trouve la tête des pirates. Il y en a un barbu et un non-barbu. Lui. Inconnu, souvenir. À partir d'ici, il est possible de naviguer à travers les souvenirs dans lesquels cette personne apparaît. Ok. Cette âme apparaît dans un souvenir. Marquez les souvenirs où elle apparaît afin d'accélérer la navigation. Ah bon ? Putain, il y a un tuto incroyable. Ok. Voir les souvenirs sur la carte des ponts, visibles dans le croquis, justice en mer, supprimer tous les signaux. Lui, non. Lui, il me semble.
Il me semble que c'est peut-être lui. Ah, c'est vraiment ça. Ce personnage-là, c'est lui. Et lui, c'était le mec à barbu. J'avais raison. Ah, ok. Le capitaine, c'est lui. Et le barbu, c'était... Ah bah ok, il y avait les trois en même temps, je crois. Ça, c'était le capitaine. A connu un sort indéterminé. Ouais, ça. Il s'est fait... abattu. Flèche? Non. Chute, coup, décapité, démembré, dévoré, écrasé, électrocuté, empalé, empoisonné. Étranglé, explosion, frappé, gelé, lacéré, maladie, noyé, suicide. Ah, par un tir d'arme à feu. A été abattu d'un coup de feu tiré par un assaillant. Tiré par le capitaine. C'est ça. Tiré par le capitaine, c'est inconnu. Le visage de cette personne est flouté dans tout le livre. Ça, je m'en doute. Devant la fenêtre du premier lieutenant. En revanche, son sort est peut-être connu et peut d'ores et déjà être ajouté. Essayez de nommer une personne dont le visage est flouté fait courir un grand risque d'erreur. Ah. Continuez et essayez d'être attentif. Je vais essayer. Les visages floutés seront révélés lorsque les informations nécessaires pour les identifier auront été obtenues d'une manière ou d'une autre. Merci la difficulté. Vous n'avez pas suffisamment d'informations pour déterminer l'identité de cette personne. Ah. Ok. Tire arme à feu. Le visage de cette personne n'est plus flouté. Cela signifie qu'elle peut désormais être identifiée. Ouais. Lisez le livre et la montre à Gousset afin de réunir suffisamment d'informations pour déterminer son identité. Récitez les souvenirs à l'aide de la montre à Gousset afin d'étudier les relations, les apparences et les activités. D'accord. Utilisez les cartes, le manifeste et les croquis, page 2-4, en parallèle des conversions pour découvrir des indices sur les... Sur les... D'accord. Il y avait 60 personnes à bord lorsque le navire a quitté l'Angleterre. Ok. Déterminer l'identité et le sort de chacun ne sera pas tâche facile. Tu m'étonnes. Les informations décisives sont rares. Ah. Vous devrez faire des suppositions à partir d'informations partielles. Ok. Vous ne pourrez déterminer certaines identités qu'en procédant par élimination. Bonne chance. Le jeu qui est sympa et il te dit bonne chance. Bah lui, on le connaît, c'est le capitaine. Capitaine Robert Winterell. Là, il est en souvenir en plus. Donc lui, on le connaît. Premier souvenir, voilà les souvenirs, la carte des ponts, visible dans le croquis, justice en mer. Marquez les souvenirs. Voilà. Ah ouais, faut vraiment... Ici, je peux pas... Ok.
L'emplacement du corps, ça on le connaît. Ok. Il doit y avoir encore un indice quelque part. Mais on ne connaît pas encore son nom, lui. Et lui, c'est pareil, on ne connaît pas encore son nom. Lui, on le sait, c'est le capitaine. Apparemment, je n'ai que ça à faire, donc il faut que je le fasse quand même. Attendre plus d'indices ou plus d'explications, essayer quand même. Oh, je vais essayer quand même. L'inconnu passager. Passagère, non, passager, non, passagère. Non. Finlay Dalton, un timonier, je parie que c'est lui. Ceci est peut-être correct ou pas. Ha! Les sorts sont validés par groupe de 3. Identifiez au moins 3 personnes avec les sorts corrects pour que les informations soient validées dans le livre. La fin, partie 1. Ouais, il y a que ça comme comme info. Le timonier. Et flouté dans tout le livre. Bah oui, ça je le sais, tu me l'as déjà devant la fin. Son cadre est devenu non? Non, c'est moi qui ai rêvé. Le capitaine. Je crois que lui, ça doit être. Je suis sûr que lui, ça doit être le timonier. Et toi? Il est trop tôt pour parler clairement des possibilités de traitement. Mais celles-ci, découvertes, ouvrent les perspectives de
impressionnante. Notre vent travaille justement beaucoup plus d'influence qu'on le prend sur notre cerveau. Comment on quitte la montre déjà? Ah, je peux faire E pour zoomer, ok. Ça prend que les visages. Comment quitter ce monde? La fin. Alors, la carte. Ah d'accord. Ça, ouais, ok. L'arme est tombée entre Madère et Asores, pas loin de l'Afrique et de l'autre île. Lui. Oh, je vais mettre lui. Oups. C'est pas ça? Aïe aïe aïe, je suis en train de faire le... J'ai fait... Oh! Putain, fallait passer... Oh! Je pensais que j'étais bloqué, en fait non. Ah, c'est pas une arme du crime ça? Apparemment. On en a un autre. Ok. Okay.
esprit, hein. Là, il y a le fameux corps du capitaine. Enfin, je dis capitaine, mais je pense pas que c'est lui. Someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. Passer par derrière pour essayer d'assassiner le capitaine directement. S'est pris un couteau a connu un sort déterminé. Par un poignard, non. Écrasé électrocuté empalé. A été empalé par une créature monstrueuse, mais non. Étranglé, explosion, frappé. Non. Lacérer. Non plus. Suicide, tir, vieillesse, vivant. Ouais. Pif pif pif. Mais lui, il s'est pris un cut, hein, je crois. Bon, lui, il est bel et bien mort avec la balle du capitaine. Ah, y a personne d'autre. Ah, j'ai oublié de... J'avais oublié de regarder...
l'homme au lit. Une personne était présente. Ouais. Lui s'est fait pris un coup de lance. A été tué d'un coup de lance par un assaillant. Bah, par le capitaine, toujours. L'inconnu, on ne le sait pas. On va marquer souvenir. Emplacement du corps. Dans les quartiers du capitaine. Ouais. Emplacement du corps. Une autre personne était présente. Ouais, mais on n'a pas les noms. On sait comment ils sont morts, mais on n'a pas les noms. On n'a pas les noms des assassins. Donc là, il y a une femme qui dort. Tout à fait. Toi, par contre, faut que je sache comment tu t'es fait. Chapitre 10, la fin, partie 2 sur 4. Where are they? Must be in here someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. De hachette apparemment. Lui il est mort. Ah bah tu pars une flèche, non c'est pas ça. Coup de poignard. Arrêté. Mais non, ça ne va pas du tout avec ce que j'ai. Ah, peut-être décapité. Il a été décapité par le capitaine. Souvenir marqué. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Oh, la suite. Ah ben, mais il y a même la femme qui est qui est à l'endroit du décès. J'ai fait lui. J'ai fait lui. Ben, faut faire lui. Abigail. Your brother, my friend, I shot him dead. I'll be with you soon, my love. Please forgive me for everything. Donc après avoir buté tous ces gars, il s'est suicidé. Capitaine, ouais.
Le capitaine Robert Runnell a connu un sort indéterminé. Bah, il s'est fait. Bah, il a fait un suicide. Il est où ? Suicide en arme à feu. Capitaine Robert Whittrell s'est donné la mort à l'aide d'une arme à feu. Marqué souvenir. Tac. Abigail, l'emplacement du corps, personne d'autre n'était présent. Capitaine, suicide, arme à feu. Ouais, c'est ça. Abigail est ton frère, mon ami, je l'ai tiré dessus, je l'ai tué, je serai bientôt à tes côtés, mon amour, je t'en prie, pardonne-moi pour tout. La femme, on connaît. Ah, ok. Ah, mais malheureusement, je peux pas la pinguer parce qu'elle est pas encore découverte. Quoique. Ah non. Je peux pas encore la. Ouais. Ok. Ok, ok. À chaque fois, j'ai l'impression que ça fait ouvrir une porte. Mais y a rien qui ouvre la porte ici. J'ai eu des croix, je ne sais pas pourquoi. Kraken. Ah, j'ai débloqué un personnage. Ouais. Abigail. Là, elle s'est fait toucher par le Kraken, on est bien d'accord. Par contre, il s'est bien pris le Kraken. Ok. Est-ce que c'est vague ça? Ok, de qui s'agit-il? Abigail. Abigail, passagère, une écossaise. Elle a connu un sort.
Des membres devraient écraser, électrocutés, empalés par le Kraken. Je pense qu'elle est pas empalée par le Kraken. Empoisonné, non. Une aile, une queue ou un sabot. Est mort frappé par la queue d'une créature monstrueuse. Ça peut être possible. Enfin, j'ai fort l'impression qu'elle s'est pris. Retourner à l'intérieur, je me marie, où est-il dans l'entrepôt, venez. Le corps a été dépassé après le décès. Bah. C'est pas vraiment une queue. Oula. Elle s'est fait plutôt transpercer par le... Ouais. Elle s'est fait transpercer par le Kraken. Le Kraken, je peux pas le... Ok. Toujours lui. Bah lui, ça fait décapitant de... Lui, ça doit être Martin, je crois. Tente des trucs. Waouh. Ah, ça fait apparaître les corps. Ok, mais c'est cool ça. Allez, j'y retourne. Ah non, c'est pour moi. Le Kraken n'a pas besoin, oula, d'être scanné. Ouais, donc là elle s'est fait carrément empaler en fait par le Kraken. Ok.
est mort frappé par la queue d'une créature monstrueuse. Non. Non. Je l'ai frappé explosion étrange. Non. Abattu. Non. Les chutes coups. Non. Décapité, démembré, dévoré, écrasé. Putain, non, c'est pas ça. Gréement. A été écrasé par des éléments. Par des éléments de gréement. Je sais pas ce que c'est. Il n'a pas été démembré, il n'a pas été décapité. Ouais, on va dire ça. A été non, il n'a pas été écrasé. Ah voilà, a été empalé par une créature monstrueuse. Voilà, ça c'est mieux. Une minorité de victimes connaît donc la violence additionnelle du coup. Ce sont celles dans la plainte la plus de chance. Merde. Lui, il a eu peur. Il y a deux demoiselles. Lui, il tire. Donc lui, ça doit être Martin. Une dame qui est actuellement toujours en examen somatique et gynécologique au siège suivant, et ça concerne les deux gardés à vue en fait, qu'on a été ramenés dans la semaine. Merci. Vite. Je connais apparemment déjà le... ces personnes. Oui, toi. C'est une affaire assez sérieuse. Hein, tu es Martin, troisième lieutenant. J'ai croisé trois hommes en panne de voiture. Donc elle est un signalement des croix en disant qu'un individu de couleur noir, donc c'est lui qui a arrêté, a donné une description. Troisième lieutenant, Martin Perrotte, j'ai beau. La voiture qui dirigeait vers le capot, dis-moi, c'est pour moi la fin de ce produit. Elle dit qu'il était porteur d'un roux de couleur orange, hein, c'est ce qui choquait effectivement. Qu'elle s'est arrêtée pour proposer son aide, accepter de prendre... Le reste, je ne sais pas du tout. Qu'il se serait assis à l'arrière du véhicule, qu'elle s'est donc arrêtée au niveau du parking. Là, que l'homme assis à l'arrière droit est descendu, qu'il a remercié, qu'il lui a serré la main. Martin a fui. La voiture par la porte arrière gauche, en même temps que la patiente. Puis, donc, et le reste, c'est bon. Je crois que j'ai assez vu. Suite à ça, elle a eu comme une perte de connaissance, mais c'est un peu sous-titrage des faits à partir de ce moment-là. Quand elle reprend ses esprits, elle dit qu'elle est assise dans la voiture au volant, que l'homme la maintient fort par un bras passant derrière ses épaules. Elle dit qu'elle essaie de se débattre, mais enfin, là il a eu la menace donc, de réaliser la fellation. Du coup, nous allons découvrir le nouveau corps. Ou alors, elle appelle au secours et donc le garde prend la fuite. Les gendarmes contactés confirment qu'ils ont bien contrôlé un véhicule avec deux occupants, à savoir les deux individus qui sont actuellement placés derrière la voiture. Alors lui, il s'est bien pris les tentacules du Kraken. Il y avait lui. Il y a un animal, une chèvre. Il y avait une chèvre dans la cave, dans la cage plutôt.
On n'a pas de nom. Mais lui, on sait qu'il est mort. Comment j'ai trouvé ça? Non. C'est pas un coup. Après, dévoré, écrasé. Au palais, au poissonnier, c'est pas ça. Alors pourquoi tu n'as rien fait l'autre jour? Il s'est fait lacérer par. A été lacéré par une créature monstrueuse. Voilà. Marquer les souvenirs. Quand on a vu ça, ouais, ça se voit qu'il est lacéré par le Kraken. Par une créature monstrueuse. Ce n'était pas mes esclaves. Ça c'est fait. Nous allons donc voir le corps là. Ce fut une sacrée explosion. Ok. Toujours la chèvre dans sa cage. Dis-lui que son papa est impatient de le connaître.
Ok. Lui, c'est quelqu'un que j'ai pas vu. Habit d'amarrage vite. Attends, attends. Lance la poudre. Sur le pont principal. De qui s'agit-il, cause de la mort? C'est celui qui s'est fait pris. De qui s'agit-il? On ne sait pas, mais il est mort. Il n'est pas mort brûlé, sinon on l'aurait vu. On l'aurait vu cramé, je crois. Décapité, démembré, dévoré, écrasé, électrocuté, empalé, empoisonné, étranglé par l'explosion. A été tué dans une explosion. Ok, souvenir, marqué souvenir, voilà. Ok. Donc là on a... Là on n'a pas de personnage. On sort du coup. Je vais vous joindre à votre partie. Allez, je pensais passer à autre chose. Simon, c'est Martin Topin, un ami banquier. Je suis Martin. Je vous promets de la rendre. C'est parti. Vous êtes le plus grand. On va voir ce qui se passe. C'est vrai. Ça, on peut pas aller. Pareil. Un cadavre sous un canon écrasé. Alors là, on sait juste qui s'est pris un coup. Non, même pas. Non. Ah, écrasé par un canon. A été écrasé par un canon détaché. Possible. Ah, apparemment il y a quelque chose ici à trouver. On pourrait déjeuner sur l'herbe. Qui est là-bas, mais je sais pas comment te rejoindre. Il m'a laissé quelque
Ah, ok, d'accord. Ton ami. Tarkington. Pour moi, il faut qu'il se permette. Allons voir Napoléon. Oh, non. Non, non, je veux pas y aller. Alors, c'est quand même Napoléon. Et alors? Tu vois, un homme est venu te voir ce matin. Un drôle de déguise. Il t'a appelé le noble sauvage. Ça s'est ouvert. Ah, parce qu'il y a un cadavre devant le... à l'avant du navire de l'Obradine. Celui qui est là. J'aimerais voir si... Je le ferai après. Là, il y a deux personnes qui sont mortes en même temps, apparemment. C'est le mec au chapeau qui s'est fait tuer par le... par un assaillant. Non. C'est pas ça du tout. Démembré. Non. Brûlé. Si je mets brûlé. Et mort brûlé vif. Non, c'est pas ça. Abattu par une flèche. Non. Écrasé. Non. Électrocuté. Empalé. Non. Pas une explosion aussi. Non, par un tir de canon. A été déchiqueté par un boulet de canon tiré par un assaillant inconnu. Oui, ça on ne le sait pas encore. Qui a tiré sur lui? Cause de la mort. Il est mort comment lui? Apparemment, il y a encore un corps à découvrir. Ici là.
le cadavre n'a pas bougé d'un pouce. Ah bah lui il s'est fait totalement écraser par un canon. Oh le beau bug. Lui il est carrément été écrasé par un canon. C'est inconnu. Et on ne sait pas encore le nom des gens. Des portes. Bon ben, je vais d'abord fouiller le cadavre que je ne sais plus où il est. Ah oui, écrasé sous le canonnier. C'est à ce moment-là que le Kraken a commencé à attaquer. Non, l'autre. De qui s'agit-il? Cause de sa mort. Ouais, bah lui, ça fait... étranglé, non. Il s'est fait lacérer par une créature monstrueuse. Et la femme, j'avais mis quoi, la femme? Je ne voulais pas vous offenser, si vous continuez à répondre sur le site, je vous ferai mettre personnellement les fers au pied et je vous renverrai de suite au stade. J'ai mis quoi, la femme? Parce que c'est elle-même. Ah merde. Faut que j'aille à la femme. Voilà. De ce côté, il y a les armes et les munitions. Les armes et les munitions sont stockées quasiment au même endroit que les prisonniers, c'est bien ça. Il n'y a qu'un soldat pour les garder.
ou pas. C'était pas la fin. C'était où qu'il y avait la femme? J'ai découvert la femme. Ah là. A été empalé par une créature monstrueuse. Non, j'ai mis empalé, c'est bon. Celui-là a été fait, ce corps-là a été fait. Maintenant faut fouiller. Voilà. Il y a une hachette ici. Excusez du dérangement, les renforts sont arrivés. Oh non, you're cut. Don't leave me. Bear up, son. I'll stay with you. Tell Pete's mother I tried my best. Aye. To pull him back, to save him. You tell her yourself. Brennan, bring the surgeon's kit. Je sais pas, ça va aller, tiens bon, dites à la mère de Pete que j'ai fait de mon mieux pour le ramener, pour le sauver. Tu le diras toi-même. Brennan, la trousse de chirurgien. Inconnu un sort déterminé. Enfin, il y a un corps de meurtre ici. Il m'a l'air d'avoir... attendez. Ouais, il y a du portage, j'avais déjà fouillé. Donc, il est mort avec une... avec une hachette, je crois. Oh non! You're cut! Don't leave me. Bear up, son. I'll stay with you. Tell Pete's mother. I
tried my best. Aye. To pull him back, to save him. You tell him yourself. Brennan! Bring the surgeons, kid! Peut-être qu'il y a... Non, il n'y a rien en haut. Donc c'est qu'en bas, et apparemment, il n'y a rien. Il s'est fait... Par un assaillant inconnu, ouais. Emplacement du corps. Ce gentil jeune homme riche n'est pas une menace. Et il a servi le roi mieux que personne ne l'a fait dans ce salon. C'est pourquoi j'ai pas livré les mandats pour sa vie. Je l'ai fait parce qu'il a trahi les idéaux de la République. Ne vous méprenez pas, les idéaux de la République. L'égalité n'est pas. Voilà, alors le cadavre, c'est plus où il est. Ah, il est là. Attendez, je vais d'abord fouiller celui-là. Il y a encore des vêtements ici. Des lits en hauteur, pourquoi pas. Ok. Maintenant, toi. What's all this, you damn fool? Alors là, ce fut direct. Lui, il avait une arme à feu, mais lui, il avait un genre de massue, on va dire. Il arrive au moment où ouais, c'est ça, j'ai bien mis, il s'est fait poignarder. Cause de la mort de lui. Merci. Le coup de massue par un assaillant inconnu qu'on ne sait pas encore. Hop. Attendez.
Boseman, c'est pas lui. Lui, ça doit être Boseman. Il est où, Boseman? Boseman, Boseman, Boseman. Il est pas là, il est tout en arrière. Apparemment, il n'est pas sur la liste. Ça alors. Une pulsion qui vient du fond de son être. C'est comme... comme rire. Ou respirer. Il n'y a pas de Borgman dans la liste ici. Alors ça doit être un inconnu mais qui l'aide, apparemment. Qui peut arrêter la terre quand elle tremble? Qui? Ou alors est-ce que j'ai mis à quelqu'un en fait? Donc personne ne peut arrêter un peuple en marche, poussé par sa. J'ai peut-être mis à quelqu'un sans faire exprès, je regarde. Les Espagnols sont arrivés sur ce continent en disant qu'ils ne l'avaient pas. Non, même pas. Ils se sont appropriés notre terre et ont fait de ce qu'un temps des esclaves. Siècle après siècle, nous avons été humiliés. Nous avons été maltraités par des uniformes et des bonnes points. Il avait dit Brennan ou... Ben ça doit être lui. C'est un matelot de l'Angleterre. Henry Brennan, matelot, a été décapité par le capitaine Robert Witterel. Ouais, ça m'a l'air plus logique. Henry Brennan, décapité par le capitaine Bedlechouette. Hop. Ça, c'est fait. Une chaise couchée par terre. Non, y a rien. C'est ce cadavre là que je dois fouiller. Ok. Tu l'as déjà fait. Ça je peux pas. Ici je peux. Ok. Ici, il n'y a rien non plus. Ok, good. On va le fouiller. Mutiny! Mutiny! Bastard! No! No!
encore une fois, il y en a un qui s'est fait buter par d'armes à feu. Et c'est justement le ce mec là. Tué par lui. Ah lui, il s'est fait déjà poignarder. Bien avant, d'accord. Putain, et lui il arrive après quoi. Mais non, c'est pas lui. Putain, faut que je revoie mes sources. Ça va pas le faire. Il s'est fait abattre. Non. Même en temps de guerre, il faut se soumettre à la légalité. Ce n'est pas une guerre, c'est une révolution. Par un tir d'arme à feu. Un assaillant qu'on ne connaît pas encore. Vous parlez comme un avocat, mais comme un soldat. Si on respecte l'amour, les lois sont pour le peuple. Alors, ouais, on putain, il y a encore un cadavre par-dessus bord. D'accord. Bon, faut que je vérifie mes sources à propos de celui qui s'appelle Bonman. Oh non, you're cut. Don't leave me. Bear up, son. I'll stay with you. Brennan. Ouais, c'est ça. I tried my best. Aye. C'est lui qui est arrivé en dernier. To pull him back, to save him. You tell her yourself. Brennan, c'est celui qui... Brennan! Bring this up! C'est lui. Lui, c'est Brennan, le fameux Brennan. Voilà. Amrin Brennan a été tué d'un coup de lance par le capitaine Robert Whittrell. Attends, quoi? Non, c'est pas lui ici. Bossman, Afrique de tir. Arme à feu par le capitaine. Coup de poignard par un inconnu. Décapité par le capitaine. Un coup de lance à Winter. Henry Brennan. Ah, mais c'est peut-être celui qui a voulu l'attaquer par derrière, en fait. Blindé par un assaillant inconnu. Jin's Cat. Donc Brennan, c'est lui, ok. J'ai eu ce que je voulais comme information. Ok. Du coup... Ouais, du coup, il y a le cadavre à vérifier en haut. Cuisine. Parce qu'il y a rien, apparemment. Maintenant, sors avec moi.
them go! Cette dame qui a tiré à l'arme à feu. Ok. C'est qui lui? Ok. Bah décidément, il y en a qui pointent leurs armes donc. Ah, c'est celui qui s'est fait buter, je crois. Ouais. Ben lui, il s'est fait carrément se faire tirer dessus par un arme à feu. Et l'assaillante, on ne sait pas. Last one. Move quick. Boy, you'll not take the last push. Hold him out. De qui s'agit-il? Lui apparemment c'est Paul. Where is your Paul? Paul. Où es-tu, Paul? Ah, te voilà. C'est un aide de premier lieutenant. Pays de gueule. Ok. Il s'est fait... coup d'épée. Attitude d'un coup d'épée par un assaillant inconnu. En plus, ça se voit.
et vous ne prenez pas le dernier chaloupe. Paul, attention, arrêtez, laissez-les partir. Non, malédiction. Ouais, c'est bien Paul qui s'est fait buter. Ed, de premier lieutenant, a été tué d'un coup d'épée par un assaillant inconnu. On ne sait pas encore son nom. Ça faut vraiment aller tout en bas. Décidément, les cadavres. Enfin, il y a certains cadavres de pirates qui sont soit déplacés ou soit ne pas déplacés. Put me down. Let go. Easy now. You're in a bad way. Is this squid? Where is my Frenchman? The squid's gone. Your mate was torn apart. The cat. Beast is dead. How? How did you kill it? We didn't. It left with the store. Captain came up from the hold. Said he chased it off. You should rest. A curse like that does not lead for nothing. C'est le fameux capitaine. Je ne peux pas monter. Ah. Dans la messe des officiers. Cause de la mort. Tiens, la cause de sa mort, on ne sait pas. Posez-moi, lâchez-moi. Du calme, vous êtes dans un sale état. La pieuvre, oui, mon français. La pieuvre est partie, votre second a été réduit en charpie. Verdun, la bête est morte. Comment avez-vous fait pour la tuer? Nous ne l'avons pas tué, il est parti avec la tempête. Le capitaine est sorti de la cale, il a dit qu'il avait. J'ai assez oublié de vous reposer une malédiction comme celle-là, ne se lève pas si facilement. Verdun. Il y en a un qui s'appelle Verdun dans le tas. Nous marchons ensemble, Angostura, mais où est-ce que c'est un petit village à l'est du Venezuela, le long du fleuve Orinoco. Un endroit isolé de tout, mais le fleuve est une route fréquentée. Le village tout le pays et dans l'intérieur. Il y a un des deux qui est Verdun dans le tas. Ces hommes trouveront leur cause dans la nôtre. Je vais le reprendre. Je vais vous m'afficher avec l'armée patriote.
Daniel O'Leary, monsieur. C'est un très grand nom. Apparemment, j'ai pas de. Bon, bah, lui, je vais l'appeler Verdun. Verdun, t'es où? Verdun. Les Espagnols sont très forts. Oui, ils ne savent pas que nous arrivons. Nous y sommes de force avec son grand-père. Verdun. Nous attirerons beaucoup de soldats nous rejoindront quand ils nous verront gagner. Vous oubliez une chose. Ah, il n'y a pas de Verdun, dis donc. Vous devez traverser les Andes en plein milieu. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'ici, oui, les chèvres passent, l'armée passe. Les chèvres ont un plage, et comme tu sais, les hommes n'ont pas de chaussures. Général, les Andes sont des montagnes, c'est ça. Mais, de hautes montagnes. Comme un bal traversant les Andes? Non, mais les Andes sont beaucoup plus hautes. C'est comme rencontrer la mort. Je te fournirai des hommes armés. Mais moi, je n'irai pas. J'ai pas envie de me faire tuer. Non, apparemment il n'y a pas Verdun. Bingo, on s'en va. Tant pis. Avant de donner votre âme à Dieu, peut-être qu'il ne sera pas. Mort de quoi, je ne sais pas. C'est quelqu'un. Je ne sais pas. Il va pleuvoir présent. Il va beaucoup pleuvoir. C'est le capitaine, la porte est ouverte, on va y aller. Vos vêtements seront gelés sur votre corps pendant des semaines. Des mois. Et cela même avant de combattre. Vous vous joignez à nous. Ça ressemble à un hiver à Dublin. Ah ah! Donc j'ai déjà une conclusion. Quatre hommes ont disparu au cours des événements du présent chapitre. Leurs destins sont consignés ici. Ok. Disparition suite. Ok, ça c'est ce que je n'ai pas encore connu. Mais il reste encore un cadavre à fouiller. Donc ouverte une grosse flaque, je sais pas si c'est du sang ou autre. Oh. Ok, are here. One swing. Get true to skull in stone or brain. I'll cut her throat when you've done it. Here? Yeah. Come on before she kicks up. You all right there, sir? What? Never been on a farm, chap? Mind your shoes now. Alors celui qui a vomi là, c'est Charlie. Ok. Ah, lui c'est le boucher. Ou alors c'est... C'est peut-être quelqu'un d'autre. Ah bah tiens.
le chez le charpentier. Une grosse vache a été abattue pour sa viande. Ah. C'était qui? Je me rappelle plus du visage du gars. Indéterminé. Je sais plus si c'était lui qu'il fallait dire qu'il s'appelait Charlie. Je vais voir ça. Apparemment, il y a eu un meurtre juste ici. Que la montre à gousset est active pour atteindre directement la page. Ok. Nous vaincrons ces montagnes de guerre. Et nous vaincrons les Espagnols. Ouais, mais non. Nous achèterons le règne de cette terre. Il me faut la personne pour que je puisse savoir mettre Charlie. C'est celui que. One swing. Get true discarded stone of rain. Celui qui est à côté du. Libertador, nous arrivons. C'est lui, je crois. Ouais, c'est ça. Alors lui. C'est Charlie. Est-ce qu'il y a un Charlie quelque part? C'est Sandor qui vit à la garnison espagnole, tout près du pont de Vallecas. Il y a plus de 5 hommes, fortement armés. Il y a une autre route pour Bogota? Non, pas à cette époque de l'année. Le fleuve est le plus pauvre. Apparemment, il n'y a pas de Charlie. Celui qui contrôle Bogota contrôle le pont. Fuck! C'est une blague! Quel est votre plan, général? Alors Charlie, t'as jamais mis les pieds dans une ferme? Bon ben au pire. Come on before she kicks off. You're right there, sir. Mec, là, il est un macaque. What? Never been on a farm, John. Mind your shoes now. Ouais. Et le corps, c'est... Lui. Ok. Enfin, des outils. Ici, ça doit être la garde à manger, je suppose.
Same as the other fellow. Some lung disease. Not consumption. Made worse by the cold. Will it spread? If so, we'd all have it. They must have picked it up at the Lasker house. I checked all hands just now, and everyone is healthy. And him? What are his chances? I gave him some laudanum. We'll see. De qui s'agit-il? Ils n'ont pas donné de nom. Ça peut se propager si c'était le cas. Une maladie pulmonaire, mais pas la... Le froid n'a pas arrangé les choses. Gelé et mort de froid. Un nom de la maladie plutôt. A succombé à la maladie. Parce que personne n'est mort de froid, je crois. Tellement de cadavres. Саяд? Саяд, утро! Купил! Caché.
Est-ce qu'il y a Sied? Mais comment se fait-il que vous sachiez ces choses-là? C'est parce que j'entends dans mes oreilles les hommes m'avoir près de... Ah, le voilà. Solomon Sied, matelot, Inde. Ok. Solomon Sied. Et il est mort... maladie, du coup. A succombé à la maladie. A péri dans un froid mordant, partie 1. Pour les souvenirs sur la carte de... Je marque ça. Arrête de tricher. Occupe-toi de tes oignons. Toi, bois quelque chose. Non, Sied. Sied, redresse-toi et bois quelque chose. Ouais. C'est Sied, ça. Le corps a été déplacé par des socs. Là, on voit pas. Ok. J'ai pas tout, mais c'est pas grave. Pour avoir les trucs complets, il me semble que pour avoir les trucs complets, il faut que tu fouilles carrément tout le bateau et après tu pourras résoudre l'énigme. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut pas sprinter, je rappelle. Ah, ok. Ah, oh, ouais, d'accord. Punaise. C'est bien foutu leur truc. Hein. Moi, j'ai déjà fouillé ici. C'est de la passion, c'est de l'assistance, de l'envie, d'aimer. Ouais, c'est fermé, donc je suis obligé de monter par là où j'étais. On se connaît depuis longtemps, n'est-ce pas? J'ai été dans les premiers à ce moment. Alors de là... Ça j'ai fait. Celui de qui était là-bas, j'ai fait. Le devant, il me semble que je ne l'ai pas fait. Ça fait que j'aille en bas. Ah. Au
moment où il faisait ses petits besoins, il se fait attaquer par le Kraken. Super. ES. ES. Ok. Alors, de qui s'agit-il? De ES. ES, ES. Edward Spratt, c'est un artiste de l'Angleterre. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres ES par hasard. Mais il me semble que non. C'est une femme vraiment courageuse. Ok. C'est donc non, c'était encore en arrière. Edward Spratt. Il a connu. Par. Non, il fait pas écraser par le monstre. Palais empoisonné, non. Étrangulé. Non. Dommage. Non. Frappé, gelé. Il s'est fait lacérer. A été lacéré par une créature monstrueuse. Voilà. C'est la fin finale. Vous êtes condamné à la peine capitale. Parce qu'honnêtement, je vois pas autre chose que lacérer, quoi. Moi, j'autorise le tribunal à vous mettre à mort. Il mourrait aussi. Ouais. Donc, voilà, voilà. Je vous pardonne, c'est vous qui me tuez. Là, nous avons un cadavre. La vérité, ça va. C'est ce que j'ai essayé une dernière fois de créer cette mort. Let me on. Over my dead body, you bloody day. Huh? How's that? There's no cause for trouble, boys. Get in the boat. Before I forget, you killed my brother. What? That was an accident. The ropes. It wasn't his fault. I saw the whole thing. Nice. I shouldn't have waited so long. No, don't. Bon, lui, il s'est fait attaquer par une massue. C'était que 4 plus la chèvre. Ok. Il n'y a plus qu'à attendre que ça s'affiche. Vous allez
Ce mec, de qui s'agit-il? Il faut chier ça. Protège-toi, merci. Il faudra me passer sur le corps, chien danois. Ah, ça veut dire quoi ça? Et les gars, on se calme. Allez, Graham, tu croyais que j'allais oublier, t'as tué mon frère. J'ai tout vu, mon mensonge, j'aurais pas dû attendre aussi longtemps. Non, non. Qui il s'agit, on n'a pas de nom. Mais par contre, il s'est fait tuer par la massue. Et l'assaillant, on ne sait pas encore. Pourquoi? Je t'ai demandé pour vous pour être ici. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. On vous sera là, je reviendrai pas. Au revoir. Sept âmes ont disparu au cours des événements du présent chapitre. Leurs destins sont consignés ici. D'accord. Ok, pourquoi pas. Celui de devant a été fait. Il m'en manque. Parce que le mec à la barque, il est parti. Non, il est toujours là. Ok, il reste toujours là, lui, pourquoi pas. Y a pas un cadavre en haut du mât, mais ça m'étonnerait. Déjà qu'apparemment on peut pas y aller. Ici c'était les canons. Là il y avait le cadavre devant. Canon, je l'avais pris. Pareil. J'avais tout fouillé les portes. J'avais ça. Ça. Ah! Ok, il y a un pendu ici, d'accord. Putain, faut vraiment le voir ça quand même. Captain! Slack the lifts and lower the boats. The whole crew will be on us. Give it up. Bon, lui il est mort par balle en arme à feu. C'est lui qui a tiré. Une chinoise. Lui il s'est pris la lance en plein genou ou en plein jambe, c'est vous qui voyez. Le Venezuela est ouvertement en révolte. Margarita est déjà à l'intérieur. Valencia est sur le point de tomber.
L'inconnu, on ne sait pas. En tout cas, il s'est fait tirer dessus par une arme à feu. Et l'assaillant, on ne sait pas encore son nom. Double pendu. Ah non, ça n'a rien à voir, ça, ok. Bon, on est parti hein, du coup. Hong Seng Lao, you have been found guilty by self-confession of the murder of Nunzio Pasquale. Quiet! As captain of this ship, and by the authority of the East India Company, and thus the Crown of England, I sentence you to death by firing line. Mr. Wolf, when you are ready. Right, sir. Ready, men. Aim. Fire! Ah! Ouh. Ça en fait des balles, hein. Ah, damn. Ah, c'était... Oh, purée, c'était le garde qu'on avait vu tout à l'heure. Donc... C'est lui qui a ordonné l'ordre. Donc lui, c'est Wolf. Le capitaine, si on l'a déjà... De qui s'agit-il? Vous avez été reconnu coupable suite à vos aveux du meurtre de Nunzio Pasca. Hong Seng Lao. Voilà. Hong Seng Lao, passager. Et c'est Forinos. Origine Forinos. Putain. A connu un sort déterminé. Des tirs d'armes à feu. C'était Wolf qui a ordonné. Non. Inconnu. Ennemi créature. Je
Attends, si je change de page, c'est... Ah, ok. Par des ennemis. Tiré par un ennemi étranger. Ah non, c'est pas ça qu'il faut mettre. Miss Lim, c'est trop tard. Silence. En tant que capitaine de ce navire et au nom de l'autorité de la compagnie des Indes orientales, je vous condamne à être fusillé par un peloton d'exécution. Monsieur Wolf, quand vous voudrez. Bah, limite, il me semble. Battu en flèche, non. Non. Donc c'est bien des tirs. Il s'est fait tirer par Wolf. James Wallace. Christian Wolf. C'est lui. Canonnier, Autriche. Y'a pas un autre Wolf? Parce que ça m'étonne que c'est un canonnier qui a donné l'ordre de tuer... prenons Wolf du coup, le fameux Christian Wolf. Voilà. Hoseng Lou est un passager qui a été abattu d'un coup de feu tiré par Christian Wolf. Enfin, il s'est fait tirer par plusieurs gens, mais... Là, on est le dilemme. Miss Lim. Encore un cadavre emballé. Hoseng Lau, you have been found guilty by self-confession of the murder of Nunzio. Bah ouais, là le problème c'est que je sais pas comment. Quiet. As captain of this ship and by the authority of the East India Company and thus the Crown of England. I sentence you to death by firing line. Mr. Wolf, when you are ready. Right, sir. Ready, men. Aim. Fire! Tu vois, il y a beaucoup de gens à fouiller quand même. Miss Lim, ça doit être elle, vu qu'elle était la seule femme dans
dans cette séquence. Bon, malheureusement, je vais devoir quitter le live parce que malheureusement, ma batterie de ma tablette va être usée. Je vais devoir l'éteindre. Malheureusement, je ne verrai plus le chat, mais c'est pas grave. Miss Slim, c'est la femme qui est à côté de inconnu. Alors Miss Slim, Bunland Lim, passagère, Forinos, celle. Hop là. Passagère, souvenir. Ok. Bunland Lim, ça c'est bon. Et vous avez tué Nunzio Pasca. Monsieur Wolf, lion et capitaine, préparez-vous, on joue feu. Alors, celui qui a donné l'ordre de faire feu, c'est bien évidemment celui qui a baissé la main, quoi. Capitaine. Donc Wolf, c'est lui. C'est le mec à chapeau. Indéterminé. A connu un sort à déterminer. Ouais, mais lui c'est Wolf. Christian Wolf. Apparemment il a connu un sort indéterminé, mais je ne l'ai pas trouvé. Ouais, je l'ai pas encore trouvé. Bah, c'est bien lui, non? Ah non, c'était pas lui. Je me suis trompé. C'était celui qui était là. Redonnez-moi Wolf, s'il vous plaît. Merci. Christian Wolf, canonnier, a été déchiqueté par un boulet de canon tiré par un assaillant inconnu. Ouais, il était canonnier alors du coup. Ouais, ça c'est bien lui. C'est un canonnier, Christian Wolf, qui s'est fait tirer en canon. Enfin, qui s'est fait tuer au canon par quelqu'un, mais j'ai pas encore le nom. Donc, Oxung Lung c'est fait. Miss Lim, je l'ai mis. Le capitaine, je l'ai déjà avant. Monsieur Wolf, je l'ai mis. Et c'est tout. Ok. Je vais pouvoir sortir de là et faire le cadavre. Enfin, le cadavre, je vais le faire plus tard. Enfin, demain plutôt. Parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de que je m'arrête ici? Une sauvegarde automatique. Ah, il y a une sauvegarde automatique, c'est cool. Ok, très bien.
Bon, bah, j'espère que cette rediff et ce live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et partager. Demain, on se retrouve pour la suite de Return of the Obra Dinn à 20h. N'hésitez pas à venir. Et surtout aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Twitch pour ne rien rater. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette rediff. Et on se retrouvera demain 20h. Je vous dis à toutes et à tous. Bye bye. Yeah.